d'éducation de princesse. Vous allez suivre un programme d'éducation personnalisé commandé par vos parents, afin de prendre leur place un jour sur le trône. Mademoiselle, on se concentre, la première leçon va commencer. Oui, monsieur Chabri. Appelez-moi monsieur Todd, mais bref, commençons par les premières règles de bienséance. La première d'entre elles est d'être toujours bien apprêté. Porter une tenue saillante et un maquillage adapté à la situation en est un des éléments clés. Mais vous répondez à ce critère, passons donc à la suite. Montrez-moi comment vous faites la cour. Oui, monsieur Todd. Non, vous êtes une princesse. Faites-moi donc une référence, dites une princesse. C'est mieux. Passons à la seconde partie du programme d'aujourd'hui, avant les exercices pratiques, la communication. En tant que princesse, vous dirigerez un état ainsi qu'une population. Vous devrez prendre des décisions importantes en conséquence sur les finances et le moral du peuple. Vous devrez ainsi aussi rassurer le peuple sur l'avenir et la prospérité du royaume. Faites-moi un discours pour me rassurer sur les finances du royaume champignon. Chers citoyens, je m'adresse à vous en ce jour saint pour vous expliquer que nos finances portent bien grâce à nos manques de champignons croissants, surtout vers Paris. Grâce à votre travail, les travaux d'entretien du château sont financés et l'image de notre royaume assurée. Je vous propose tous de partager cet événement devant un bon gâteau fait par les cuisiniers du château. Ouais, pas trop mal, mais essayez une autre approche. Chers citoyens, merci à vous d'être là pour notre royaume. Notre plan d'investissement LSD permettra des travaux d'entretien hallucinants sur nos routes poreuses ainsi que la création de centres fumeurs pour gérer l'impact environnemental. Le royaume japonien sera synonyme de plénitude et de bien-être. Très bien, jeune princesse. Avec vous, l'avenir est assuré. Merci, monsieur Todd. Nous passerons à la suite demain. Bon après-midi à vous. Le cours est terminé.